Les gens, c'est Noctis et on se retrouve pour cette nouvelle série qui va se dérouler donc sur le jeu Brothers, A Tale of Two Sons, donc une fable de frères, une fable de deux frères, de deux fils, pardon. Et donc, comme le titre peut l'indiquer, nous allons donc jouer... Alors, je sais pas vraiment si le jeu est indépendant ou pas, mais si je veux partager ce jeu, c'est pour plusieurs raisons. La première étant que je trouve la mécanique de ce jeu vraiment très intéressant. Il faut savoir que j'ai déjà joué au jeu pas très longtemps. Parce qu'en fait j'ai eu un problème de son dans la capture du premier épisode. Donc en fait je connais le jeu jusqu'au premier point de sauvegarde. Donc voilà, donc ça fait 20 minutes de jeu quoi, enfin truc normal. Donc voilà, je vais le refaire tranquillement avec vous. De toute façon, je vais vous reparler de tout ce que j'ai dit. Ne vous en faites pas. Dans le jeu, je préviens juste d'avance pour pas avoir de problème dans les commentaires, tout ça, machin. Le jeu a des dialogues qui ne sont dans aucune langue, c'est normal. Donc c'est très suggestif, on va dire. Donc, faut pas s'en faire. C'est normal. Alors, jouer nouvelle partie du coup, oui, je veux faire une nouvelle partie. Naï! Naï! Ta! Attends, Naï! Attends! Et donc, maintenant qu'on a un peu plus d'informations, donc la mère est morte, leur père est gravement malade, on va emmener le père voir un médecin, justement, pour que ce médecin nous dise comment faire pour soigner notre très cher Poupa. Et là, on va commencer à voir la partie intéressante du jeu, qui est vraiment la mécanique même du jeu, où deux frères, un contrôleur, c'est un jeu PC, mais je joue à la manette, hein, et du coup, avec une seule manette, on va pouvoir contrôler les deux personnages en même temps. Et tout l'intérêt du jeu est là, en fait. Parce que, du coup, c'est pas parce que j'ai joué les premières heures que mon cerveau est toujours habitué à comment faire fonctionner cette putain de charrette. Donc, du coup... Mais va tout droit. Je te demande pas d'aller à droite, je te demande d'aller tout droit. Et donc, du coup... les mécaniques intéressantes du jeu sont que, bah, du coup, forcément,
Certaines choses ne pourront être faites que par le grand frère, notamment parce qu'il représente la force, la taille, et voilà. Mais le petit frère, lui, est plus habile, plus petit, plus fin. Et que donc, du coup, forcément, chacun d'eux aura certains éléments et certaines interactions aussi avec les personnages et l'environnement aux alentours. Ce qui rend la chose assez intéressante. Exemple, voilà, on va en profiter pour prendre un peu notre temps, vu que je connais les solutions, que du coup je sais comment faire. Exemple pour illustrer, si les petits frères essayent. Voilà, il n'est pas assez grand, il n'est pas assez fort. Il est incapable de faire avancer cette chose. Alors que le grand frère, easy monique, tu vois, c'est tranquille pépère. Donc du coup, voilà, et c'est un peu comme ça que le jeu entier va fonctionner. Il ne va être basé que, enfin que, ça sera des puzzles du coup. C'est plutôt un puzzle game plutôt qu'un jeu d'action ou d'aventure ou quoi au caisse, même s'il raconte une histoire. Hein. Du coup, voilà. Là, mais dans mon esprit, c'est compliqué, hein. Donc là, par exemple, le grand va faire la courte échelle, le petit va pouvoir sauter, attraper l'échelle, et ensuite, le petit, une fois là-haut, va pouvoir faire descendre la corde pour le grand. Comme ça, le grand peut rejoindre le petit. Et c'est là en fait tout l'intérêt du jeu, vraiment, c'est le fait qu'il y ait autant de manipulations. Donc il y a les deux gâchettes et les deux sticks qui permettent de contrôler les frangins. Toute la partie gauche représente le grand frère, la partie droite correspond au petit frère. Donc voilà un peu comment ça se présente. Étant donné que les dialogues sont pas très importants, on peut comprendre donc que le père est gravement malade et qu'il n'a qu'une seule solution de survie, c'est la plante qu'il est en train de nous montrer. Et je pense qu'il va falloir gentiment aller la chercher. Voilà. Et les enfants ont l'air assez déterminés vu que il reste plus que leur père, vu que la mère est morte de noyade. C'est sympa tout ça. Je trouve ça quand même un peu dommage que ça soit pas plus travaillé sur les dialogues. Alors, il y a peut-être un moyen d'avoir les dialogues, je ne sais pas, un patch ou quelque chose. Si vous êtes au courant et que vous connaissez ce jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je n'arrive pas à contrôler mes deux personnages. Donc là, t'as un connard, tu sais pas pourquoi il va nous faire chier pendant tout le premier passage. Hein. Salut, non, bon d'accord. Donc on s'en va ailleurs. Et là, vous allez voir que le petit est traumatisé par l'eau. Du coup, le grand, lui, qui sait nager, va pouvoir porter son petit frère pendant les période de natation. Si, Kavian. Donc, voilà. Allez, petit frère, grimpe sur lui. Allez. Non, c'est bon, détends-toi, détends-toi. Et du coup, il va pas falloir que je relâche et que je parte sans lui, parce que si je relâche, il se noie. Donc voilà. Donc, la gestion des actions avec ces gâchettes-là est très importante. Une autre. Comment? Il y aura un autre moment où justement la gestion des actions à jouer avec ces trucs-là sera importante. Ça sera. Bah là, juste là, voilà.
La session d'escalade va être assez intéressante. Je vais faire grimper en même temps. C'est plus joli comme ça, voilà. Hop, hop. Voilà, et du coup, bon là c'est des petites sessions où ils n'ont pas besoin l'un de l'autre, mais qu'il faut faire les choses en double ou alors en simultané pour pouvoir avancer. Tout simplement. J'ai pas précisé, c'est fait par. Le jeu est développé par 500. Alors, je sais pas le dire en anglais. 505 Games et utilise le moteur d'Unreal. Voilà. L'Unreal Engine, quand même, ça envoie du pâté ouzbek. Il n'y a pas à dire. Enfin, voilà. Le jeu va pouvoir nous offrir des décors, je pense, assez magnifiques. Donc, on va pouvoir en profiter. Oups. Nye, mais toi aussi, monte, espèce de boudu. Non, mais. Pourquoi tu veux pas monter? Pourquoi il a lâché? Enfin non, j'ai lâché, mais pourquoi il voulait pas monter? J'ai pas compris. Ouais. Alors là, par contre, je préfère faire en double plutôt qu'en. Ouais, non, on va essayer en même temps. Tiens, j'ai déjà fait en double. Ouais, non, ça va. En même temps, il. Tu peux pas vraiment. En fait, non, c'est. Ok. Je me disais, ouais, s'il y en a un qui tombe, ça va être la galère et tout, mais en fait, non, pas du tout. Et du coup là t'as le toujours le même connard, tu sais pas pourquoi il nous emmerde là, c'est. Donc là, nouvel exemple, le petit peut passer et lui il peut pas. Donc voilà. Hop, action, on mouline pour faire sortir la bête. Attention, hein, c'est un molosse, hein. C'est un molosse. Le qui a peur de ça. Enfin, bon bref. Ne jugeons pas les peurs des uns et des autres. Vas-y, démerde-toi. Rien à foutre. Du coup, là, normalement, on devrait bientôt avoir fini le premier point de passage. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, on a presque fini. Le premier épisode sera assez court. Je n'ai pas envie d'aller plus loin que le premier point de passage. Et voilà, parce que je ne sais pas quand sera le prochain. Celui après. Donc voilà, les épisodes n'auront pas de durée fixe. Je pense que je vais faire un épisode, une zone, grosso merdo. Et je sais qu'après cette porte-là, on sortira du village. Donc voilà, ça vous permet de voir une démonstration, une belle démo de ce que va être le let's play. Sachant que là, c'est des petits puzzles assez faciles. Enfin, normalement, il est censé y avoir des puzzles beaucoup plus complexes après. Dernière chose que je voulais vous montrer du coup pour cet épisode, les interactions avec les personnages changent selon qui interagit avec quoi. Par exemple, pour ce monsieur endormi là, qui aurait besoin d'être réveillé pour activer la manivelle et nous ouvrir la porte, si le grand lui parle. Tu vois, le grand il est poli, on lui a appris les bonnes manières. Le monsieur il en a rien à foutre. Le petit par contre, c'est un petit con, tu vois, c'est un sale môme. Le sale môme il arrive. Vas-y, réveille-toi, fais-toi chier. Si le petit lui repart. Et voilà, et là, le petit ne sait rien faire d'autre que de se moquer de ce qu'il a fait. Alors que le grand, du coup, lui, va pouvoir reprendre son rôle de responsable et faire avancer la petite troupe. Donc voilà, plein d'interactions changeant selon qui fait quoi. Donc je trouve. Ouais, c'est original en fait. Et c'est ça qui change. Et c'est ça qui est sympa. Donc voilà. On va s'arrêter là du coup. Si je dis pas de bêtises, c'est là que ça sauvegarde. Oui, non. Oui, voilà. Petit symbole de sauvegarde, c'est bon, on l'a vu. Il était fort sympathique. Et du coup, je reprendrai normalement dans cette vue-là. Donc voilà. Ça sera tout pour cette fois. Malheureusement, je ne ferai pas un épisode plus long. Pour cette fois, je ne sais pas combien de temps dureront les autres. Nous sommes sortis du village, nous arrivons dans la clairière, donc on verra ce que nous propose un peu la suite de ce jeu.
Si ça vous plaît, si un let's play sur un jeu un peu indépendant qui est quand même beau et qui fait plaisir à voir et qui est un peu original, n'hésitez pas à le commenter, à partager et à liker cette vidéo, ça fera très plaisir. Pour pas rater la suite, le bouton s'abonner existe. De toute façon, tous les liens sont dans la description et en fin de vidéo. Et sur ce, moi, comme d'hab, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye les gens!